T'as-tu une NBA, toi, Forêt? Hein? J'ai-tu une NBA? Non. Ben oui, mais je l'ai pas encore acheté. Non, il est de bon. Il est bon? Je suis rendu 85, déjà. J'ai pas mis une scène dessus, d'accord? Tabarnak, ok. Bah yo, j'ai deux, je joue à chaque soir. Ok. J'ai commencé à faire du park avec mon chum. Ok. Une toute 85 à 92, hein, pour faire mes, on fait du rec. Oh, ouais. On a failli péter des gars qui étaient 97-99 hier, là. Ok. Tabarnak. Non, moi quand je joue, je fais mon mode carrière, genre, mais j'en joue pas vraiment en ligne. C'est juste ça que j'ai fait pour le monter à 85, là. Parce que mes amis, on faisait du 3, puis on faisait un 5, on disait, on va se faire du rec pour le faire. Ok, ça s'est bien passé? Ouais, ça se passe bien. On a pas une victoire, on a quasiment battu, on a perdu, mais. Okay. On a aucune victoire, mais c'est des games serrés quand même. Hein. C'est genre, okay. Tu sais, si on se fait tout dans 90, on gagnerait d'aplomb. Hein. Ah, t'es payé, j'ai collé. Ah non, c'est resté. Ça va jouer à Among? Ça va jouer à Among? Va chier, ça. Ah ouais. T'as-tu entendu parler du double kill que j'ai fait avec. Comment ça s'appelle, Chris? Avec Jeff? T'étais là quand j'ai tué Morris pis je pense que c'était Ferry. Ah, oh, c'était génial. Ouais, avec moi pis Jeff contre Morris pis contre Morris pis l'autre là, Ferry. Ah. Morris était à la crise. Du tabac, il en revenait pas, même. Hein. On est à deux points en passant, heureusement. On est. Des trois sont rendus plus loin que nous autres. Ils ont 4 points sur nous autres, mais il y a deux équipes qui sont à 89, nous autres à 87. Ouais, mais eux autres étaient déjà à 4 points de nous. Mais c'est ça, nous autres. Non, ils perdent pas, puis ils perdent plus, des trois. T'es sûr? On est à 2 points de Toronto pis à 2 points des Rangers pis les Rangers ont perdu leur premier game ce soir. Ouais. Ils ont perdu contre Columbus en plus. Ouais, Pittsburgh sont rendus 10e, nous 9e. Ouais. Mais on lagait tout, Tyrone était à 41, moi j'étais à 21. Pis j'ai arrivé. Non, c'est bon. Moi, j'étais pas là la première. Non? Non, c'est bon. Ouais, mais il était dans le groupe. Mais je parlais même pas en plus. Ils ont enlevé mon casque d'écoute parce que j'étais en retard sur Steam. Bon, je suis dans le room. Le code est fait. Je vous attends, les Pussy Boys. Ok. Il était avec qui, Junior? Si, c'est toi qui rejoues contre Toronto demain, heureusement. Ouais. Ah, il a essayé de me voler les deux points d'hier en passant. Hein. Il m'a texté, il me dit c'est qui Voisel? Il dit Olivier Voisel. Il dit il est pas sur ton doc. J'ai dit de quoi tu parles? Fait que là j'ouvre le doc, je vais checker mon roster, il est plus sur le roster. J'ai dit t'es sérieux Big? J'ai dit il a joué toute la crise de saison avec moi, il a 9 games d'un but puis il a 16 games à l'attaque. J'ai dit là j'ai une chance, j'avais screenshoté mon doc, il voulait peut-être 2 semaines pour les échanges. Pour que ça aille plus vite. J'ai dit c'est quoi, là, il était là puis là il est plus là. Parce que c'est un admin le gars de Toronto. Fait qu'il dit. Il dit ok c'est bon. Je sais pas s'il en qu'est-ce qu'il a fait. J'ai aucune idée. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il l'a fait ou ça a juste à donner de même?
Moi, je dis qu'il l'a enlevé du line-up, honnêtement. Parce que si tu check mon doc, là, tous vos points, là, vos valeurs, ils sont tous décalés de 1 vers le bas. Fait qu'il y a quelqu'un qui a joué avec mon document, puis en tout cas. Mais moi, j'ai pas accès à ça, là, je peux pas faire ça. Moi, j'ai rien. Moi, je peux juste le regarder. Non, là, j'ai pas vu ça de même au début, j'étais sur la job. Il me textait en même temps, puis là, je commençais à stresser. J'étais comme, de quoi qu'il me parle, le calice? Ben oui, okay, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'y ai montré, là, j'ai dit, il est rentré dans mes stats, je peux le mettre, pourquoi qu'il serait pas dans mon line-up? J'y ai monté, j'ai envoyé, Chris, ta voisine, elle a des stats en attaquant, là. Il y a comme genre 5-6 points par match. Il a dit, oh, c'est beau, c'est good, il dit, je faisais juste checker, là. Ouais, c'est ça, lui. Mais au début, je savais pas c'était qui, lui. Moi, après ça, je trouvais ça bizarre, fait que j'étais allé voir c'était qui le owner de Toronto, j'ai vu que c'était Marner. J'ai checké son nom. Puis après ça, j'étais allé voir la liste des admins, puis il est administrateur, le calice. Là, c'est la grosse game. Ouais, Détroit, Floride. Oh, c'est que j'ai eu ça, ces games-là, man. Ouh. Avec une boule. Ouais, ils ont une défaite en prolongation. Waiting on Scarp. Wake, qu'est-ce que tu dis, jeune Padawan? Là, je stream, je t'en stream déjà, moi. Il est déjà posté dans le groupe. Cool. I'm already streaming Scarpetti, don't do it. Bon ben. Yes sir. Yes sir Miller. Yes. Pouah. Oh, damelo. Le centre est bon. Ouais, le centre c'est une putain de bite, pis Gravy aussi, même le défenseur c'est un gars que je connais, solide. Oh, c'est de Dis qu'on est capable, les boys, on a le line-up pour. We have the line-up to beat those motherfuckers. It's gonna be a tough one. Besoin de Tyrant, t'es-tu là?
Tyran. Tyran! Parce que. Faudra qu'il soit plus clutch que tantôt. Let's fucking do it. Je suis directeur des enquêtes sur les combats d'animaux à la Société protectrice des animaux. Ça fait plusieurs mois que nous travaillons sur ce dossier avec la police locale. Nous allons passer en revue leurs preuves, ce que nous avons rassemblé, et mettre au point un plan d'action pour sauver tous les chiens et coincer le suspect. Merci à tous de nous accueillir aujourd'hui. Bill, un peu la parole. Merci. Le suspect s'appelle Mark Etherly. En 2005, M. Etherly a été arrêté pour culture illégale de cannabis. Il avait alors une trentaine de chiens. C'est qui fait non. Un officier de police qui lui a porté une assignation a senti une drôle d'odeur. Il est tombé sur une culture d'or. Je pensais qu'il était dans le but, man. Hey, Tyron, es-tu là sacrement, man? Vous étiez sur le coup. Dans le Tennessee, il est interdit d'avoir, de vendre ou d'élever des chiens pour les faire combattre. Nous allons vous montrer des preuves trouvées sur le site internet du chenil d'Etherly. Chenil Sin City. Ces gars-là affichent généralement une sorte de clause de non-responsabilité, disant qu'ils ne vendent pas de chiens en vue d'activités illégales. Prenez le site de n'importe quel autre éleveur, de Chihuahua par exemple. Colis! Ta tabarnak! Ah, je t'ai rendu juste le corps. Non, désolé, Big. Non, spécimen. Je pense. Ah, je pensais que t'allais shot, là, je t'ai pas pu parler. Non, je shooterai pas, moi, j'ai pas un joueur pour tirer. Indian Bolio aussi a été champion. Quand on veut un show d'une bête comme lui, on sait vraiment ce qu'on fait. Ce ne sont pas des chiens qu'on obtiendrait légalement. On surveille beaucoup de sites internet. Il y en a un qui dit d'avoir beaucoup de chiens de Sin City et que le bon gardien a vraiment fait du bon boulot. Quand ils disent ça, c'est une façon de signaler aux autres que leurs chiens se débrouillent bien dans la reine. Alors c'est du gros poisson, pas le genre qui va faire le cas. D'accord. En effet, Sin City est connu dans tous les États-Unis. Oh, tabarnak. C'est pas grave les boys. Oh, j'étais sur le bord de la balle. C'est du jeu de cas. C'est notre objectif. Récolter assez de preuves pour obtenir un mandat de perquisition. Nous allons essayer de... Bah, t'es sérieux là. C'est ça. Le meilleur moyen serait d'entrer en contact avec les Orly via un informateur qui nous présenterait comme des acheteurs. Oui, si nous obtenons n'importe quel échange dans lequel nous sommes sait que nous voulons un chien pour le faire combattre, nous n'aurons pas de mal à le trouver. Le niveau d'organisation de ce milieu ressemble beaucoup à celui du trafic de drogue. La façon de vendre et d'acheter les chiens, leur méthode de contre-espionnage, d'où le fait que nous utilisons le même genre de technique, comme l'utilisation d'un indice. On fait ça souvent, d'envoyer des informateurs pour conclure une vente. Mais pour l'instant, on se fait défoncer le cul. Que les chiens sont toujours là. On devrait faire un autre survol pour voir ce qu'on aperçoit. Oui, faisons ça. On va à l'hélicoptère. Ce serait super si vous trouviez quelque chose et reveniez avec des photos exploitables. Et si on était en statique, ça pourrait mettre la puce à l'oreille du suspect. Il vaudrait mieux faire plusieurs passages. Oui, histoire de s'assurer que depuis la dernière saisie, il a toujours les chiens. Parce qu'on en a déjà vu, dans d'autres cas, qui ont bougé peut-être un chien en une nuit et s'en sont débarrassés parce qu'ils avaient des soupçons. Donc, prochaine étape, vous vous occupez de l'hélicoptère. On aura l'hélico. Le capitaine prendra des photos. Ok. Ensuite, on parlera à l'un de nos indices pour voir si on le rallie à notre cause. Si oui, alors on reprendra contact avec vous, les gars. Et on fera avancer les choses. Faut laisser faire circuler plus la PAC, d'après moi, parce qu'ils sont solides défensivement. On connaît ça en train de redevenir star. J'étais à 40, là, ça commence à redevenir à 20, 30. Dans ce type d'affaires. Parce qu'ils peuvent infiltrer ce milieu très fermé.
Ils nous indiquent en font partie ou en ont fait partie. Ils veulent en sortir ou bien changer les choses. Il y en a aussi qui veulent juste écarter leur concurrence. C'est le cas dans beaucoup d'appels que nous recevons. Alors on fait très attention. Mais ce n'est pas défendre le moral. Let's go. Tie up. Keep paying strong. Sérieux, là? Tourne sa calice de glace comme un esti de crise de moron. On l'a pas activé dans le coin depuis un moment. Il rate des occasions. Il correspondait mieux à la couverture. Tu penses qu'il serait d'accord avec le fait d'aller chercher en personne les siens? Parce que dans ce dossier-là, il faut avoir quelqu'un sur place. Ça va chier, mange la merde. Tenter de faire le tour de ce mille. Oh, ma chance. Tiens-moi au courant et on verra si pour passer au plan B ou non. Mais espérons que ça marchera. Je vais attendre d'être sûr que les chiens sont là. Ok. J'organiserai la réunion après confirmation. Non. Bien. Ça, c'est un plan. Cool. Ah, va chier! Mais voyons donc, tabarnak! Ah, big. Je savais plus. Oh non. Ma pire crainte serait qu'on ait lancé tout ça et que les chiens soient partis. Nice save, ça. Let's go, goalie. Nice. Nice save. Garde la game, les boys. Let's go. Tie up. Let's go. Je l'ai passé à Puck. Mange ma graine. Fais attention les gars. Bon, pour toutes les cibles. Pourquoi ça lag de même? Tabarnak. Belle photo. On peut voir un chien là. Une chance que Sky est là un peu. C'est là où tu as passé le chien, non? C'est l'un des signes révélateurs que nous cherchons, les traces de chaînes. Ces chiens sont attachés avec de lourdes chaînes, souvent utilisées pour des remorques. Et à force de les traîner dans le même périmètre, ils finissent par délimiter un cercle, presque comme dans les champs de blé. Ici, on voit même l'ombre de l'essieu d'où part la chaîne. Ça résume toute la vie du chien. Les tâches nous donnent une bonne idée du nombre de chiens. Il semble y en avoir 20 juste là, derrière la maison. Il y a un bonhomme bleu qui pointe dans les buissons. À voir la propriété, je dirais 40. Heureusement qu'il y a toujours ce que nous cherchons. D'après les photos et les traces de chaîne, on s'attend à une quarantaine de chiens. C'est une information précieuse, car nous leur cherchons un refuge. On lâche pas les boys. Je viens. Vraiment un good job, Yann. Bon, c'est tout ça, quand nous avons. Voilà, on est capable, boys. Let's go, les boys. Oh, c'est juste deux tirs, là, on n'a pas été chanceux. Let's go. Tie up.
mettons, si on joue bien défensivement, on va jouer vraiment bien. Bon. C'est vrai qu'avec son chanceux, il coupe tout. Oh, check là. Nous cherchons une liaison faisant entre 2000 et 3000. Vu les animations de BS. 4 ou 5 cases ici, pour le même nombre dans cette pièce, et une quinzaine par là. Ce ne sera pas assez grand une fois qu'on en aura 30 ou 40. Non. Non. Avec la superficie, la configuration des lieux, beaucoup d'issues sont inutilisables pour nous. Le dernier bâtiment n'avait pas la bonne superficie. Et ça aurait été l'horreur. Calice, comment il fait pour rester avec la POC? Oh, c'est pas vrai, il est juste bon parce qu'il est gros, c'est vrai, sinon il est plus loin. D'ici? Oh, ouais, ouais. On dirait, non, surtout que t'es gros, NHL, t'es fort. Ah, je t'ai pas rien, mon poteau, gros. Le pote du derrière le filet. Good job, Carl. Good job, Cody. Nice pass. Two goals, let's go. Tie up. Une chance qu'on a manqué, là, mais vraiment pas une note. C'est bien. Non. Ah, pourquoi ça? Ah oui, on n'est pas content d'échapper encore. Yes. Oh, Lee Sian.
Ouais, elles sont pas bons, moi, sérieux, on a mal joué défensivement parce que. Oh, j'avais scoré! Ouais. On a joué défensivement, puis j'ai fait une gaffe, là, si on avait gagné. T'es sûr de pas vouloir sortir d'autres champs? Le psy est pas si fort, je veux dire. Il est juste gros. Trop raté de chance. Nous envoyons un agent infiltré en plus de l'informateur pour une raison de crédibilité au tribunal. L'indic ne sera donc pas beaucoup sollicité lors des audiences. Il a bien dit qu'il avait peut-être un chien plus vieux qu'on pourrait l'acheter. Ce serait bien si vous aviez de l'argent en rab à dispo. Comme ça, ça pourrait renforcer le dossier si Etherly était prêt à vendre autre chose. Bonne idée, oui. Si vous avez un chiot, et si vous tombez en non, pas besoin de les prendre. Prends-les pas. Si on vient des prendre, je m'en calisse. Ben parce que j'ai pas besoin de les prendre. C'est eux, ils sont censés les prendre puis déposer. S'ils oublient, ben c'est une forfait. Et si vous arriviez à faire le tour, on décroche pas le cocotier. Sinon, on peut pas les photos sur les feuilles. Ouais, ça serait nul, je te dis. Le bon indic et le bon agent infiltré va contribuer à mettre le suspect assez à l'aise pour qu'il leur fasse visiter les lieux, on espère. Pendant la visite, cherchez les équipements, comme les chambres de maintien, les... Ah, il joue pas à troisième? Non, il va jouer. Ça aidera quand Mathieu fera la perquisition. On peut y mettre... Il est pas content. Il dit qu'il joue mal. Je reviens. Moi aussi, j'ai mal. Bye. On ne veut pas que vous en sachiez trop pour ne pas vous envoyer au possible. Ouais, barde là-haut. C'est pas de ta faute, Big, t'es sérieux? Une fois, on a eu un... Tiens, c'est bien si on est resté un peu dans rien, c'est à cause de toi. La situation se déroulait pas bien et il a fini par la boucler. Donc, nous n'avons pas obtenu la bonne terminologie. Nous avions le chien, mais pas les bons mots. Ce qui prouvait l'illégalité. Bien sûr, on prend toujours un certain danger. Ces types sont à fond dans les combats de chiens. C'est leur gagne-pain. Et ils feront n'importe quoi pour le préserver. C'est vous les experts. Vous savez jusqu'où aller. On y revoit. Parfait. Marc sera connecté et je serai son soutien. Souvenez-vous juste du code. Un truc à propos du Norvège. C'est moi qui supervise l'opération. L'objectif est que tout le monde rentre entier. On se tiendra pas loin pendant la vente. On suivra via le micro. On doit le faire parler de ses chiens. Si on se pointe et qu'il se contente de nous les vendre, genre « Voilà votre chien, je prends l'argent, partez », on n'aura rien. Vous n'aurez rien. Juste un type qui vous a vendu un chien. Chaque fois qu'on fait une opération en infiltration avec couverture, on risque sa vie. C'est à 10h45? Ouais. La situation est sûre à 100%. Si ça tourne mal, mon agent dira « On prend Marley, je serai comme ça que ça sent le retour. Je prends en voiture, à fond la caisse. » Dans ce cas-là, tous les mots de la couverture, tous ces trucs passeront à l'as, il faudra laisser tomber l'opération. Côté libère, on y est. Faites attention. Rappelez-vous du code convenu au sujet de la Harley. Si vous avez besoin de moi, criez, je ne serai pas loin. Je pourrai vous voir. Je vais vous perdre de vue à cause de là où on sera, mais prévenez-moi quand vous aurez fini. S'il y a urgence, je vous le ferai savoir par texto, ok? Ok. Ravi de te rencontrer. C'est un bel extérieur, ça. Ouais, j'aménage depuis 92. Ton chien s'est battu. Il est 15h30 maintenant, ça fait bien une heure. Ce qui fait le plus peur quand on est assis là à attendre, c'est la sécurité de nos hommes sur le terrain. Une fois dans le Mississippi, on attendait la descente de police. Et quand ils sont arrivés, il y avait déjà du grabuge sur place. On entendait les tirs à la radio. On est en milieu rural et sur toutes les radios, on peut entendre coup de feu, coup de feu, coup de feu. Et nous, on a des agents sous couverture. La possibilité que les choses...
Mais oui, toi. On met tes pièces, quand même. Tabarnak de colis, là.
La room est ouverte, les boys, let's go. Je compte la Florida. Hero Club. Tirer une balle. J'arrive pas à dormir. Si ça me tente pas. C'est quelqu'un qui veut prendre ma place. Quelqu'un va aller vendre des meubles à ma place demain. Oh boy. Tu me payes mon salaire, pardon. Hein? Si tu me payes à mon salaire, me dérange pas. Ouais. Payer à commission là-bas. Ah, ça. Bon, je vais payer, hein. Faites 300 pièces aujourd'hui. Ouais. Tu es un bon vendeur. Payer 36 pièces d'heure. Ah ouais? Tu fais quoi à ton avis? Je fais de la salle puis des trottoirs. Ah, oh, c'est bon, ok, ouais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai la grosse pluie de bâton pour faire un trottoir, c'est ordinaire. Ça doit. Qu'est-ce que t'as dit? Arc. Ah, oh, mon problème, moi aussi, j'ai mal à jouer, man. Je pense que ça fait genre une semaine que je fais juste jouer du fucking 6. Fait que là, le 3, man, ça allait. C'était différent. Quand t'as le minding, que quelqu'un te back le cul, là, c'est différent. Faudrait aller la chercher celle-là. On a besoin. Je sais pas, mais Détroit il me répond pas. Hein. C'est quoi? Il m'a dit, il m'a demandé si j'avais pris photo. Mmh. Il m'a demandé si j'ai pris photo. J'ai dit non. Il me dit qu'il manque le box score, mais. Là, j'ai dit que j'avais pas pris photo, que j'étais trop en calice, que je suis parti trop rapidement. Il a juste vu mes messages, mais il me répond plus. Oh, ça tu sais qu'on l'a signé? Je sais pas. Est-ce que je vais attendre, là? Je vais pas me... Yo, qu'est-ce que je te dis? C'est méchant ce que j'ai fait, là, mais... Fuck off. Je savais, il était pas dans la... Lui, il était pas présent. Je savais que ces gars prendraient pas les photos. Est-ce que je vais voir, là, s'il réussit à en avoir quelques-unes? Ou s'il manque vraiment le box score, on est correct. Il est correct. S'il manque juste le box score, on va pouvoir faire les stats quand même. Mais s'il y a aucune photo, il est dans le monde. En tout cas, let's go, ready up. Faut qu'on fasse spinner ça. C'est 15, mais... Dixie D'Amelo, c'est le qui aime, pis je sais pas trop qui m'invite. Qui? C'est le qui aime Dixie D'Amelo, lui, quand même de ferme. Oh, c'est le qui de... c'est qui aime, il se solide dans la crise. Ben, D'Amelo voilà. Aussi, là. Il y en a un troisième, mais il est en rien, fait que je sais pas si c'est qui m'invite. J'ai Gogo Warrior qui arrête pas de m'inviter depuis tantôt, c'est petit fatiguant. Je sais même pas s'il est bon, je sais même pas s'il est qui. Thank you.
Let's go les boys, on circule la POC, on joue comme du monde. On a besoin de cette victoire là. Teams lined up in the middle. We are ready to get things underway. Puck is dropped and we are underway. This has been one we've been waiting for a while, and it's time to finally see what the payoff is all about. Moves it quickly over to Jokinen. Montreal's got it behind the net. Carries it in. Takes control of the puck. Nothing doing. Just misses the net, but really the scoring chance is not dangerous if you can't get the puck at the goaltender. Takes the feed. Montreal's got possession at center. And they'll be forced to regroup after the puck bounces out of the offensive zone. And that's picked off. Here's a short pass to Seabrook. Carries it across the line. Here's a chance right in front. Shuts him down. He scores! Tabarnak, bro, tu comptes, ça va? Me semble que tu disais que tu fais pas chatter avec cette boule-là. Moi, je préconise la pause. Je suis pas un scoreur à la base, hein, mais si j'ai pas le choix avec un open net de même. Ben oui! Let's go les boys! Commence en force. On n'arrête pas. Looking to break.
pressure. Comes up with the stop. He decides not to cover it up and sends it away. Winds up, lets it go. Oh, makes the save. That was a run. Let's go, les boys. On continue comme ça. Ouais. Debout. Eh oui, les boys, nice cut. Ah, pourquoi? Mon esti tata. Ah non, il est 3 sur mon gars. Catscarp. The team.
Let's go boys, on mange pas man. Faut qu'on... circule un peu plus la puck man. Non. Let's go. I am but quick. Yeah, j'ai essayé, man. C'est juste, t'as fait un magnifique play. C'est juste la passe, c'est rendu lentement. Je peux... ouais, elle a pogné, elle a tippé de quoi? Il fait un très beau play. Midas. Son bâton mesure 2 mètres, man, puis je suis même pas le tristement pas mieux. Quoi, cette affaire? Eh oui. Yes. Yo, j'aurais pu crisser ça dehors, man. Nice shit. Non, c'est nice shit à toi. Tu sais qui a pris la poque, t'as enlevé la poque au gars, t'as fait un petit shot. C'est ça qui a fait le jeu. Pour l'envoyer dans le fond de la zone? Ouais. Ouais, bah c'est moi qui l'ai envoyé dans le fond de la zone. J'ai juste pris le puck, j'ai contourné le def, puis j'ai marqué. C'est juste ça que j'ai fait. Toi, t'as enlevé la puck du gars, t'as fait un clap parfait. Le tailleur barré, j'ai fait exprès de mettre les face-off là, comme si tu peux faire des clés. Non. Clap, clap. Oh. Yes. Oh shit, mais non. Ah oui. Mais oui. Oh, wow. Pas pas. Oh, gueule, fait ça. Kid. Yes. Maintains
Le stick est là, ça shoot en plus, il rate tout le temps. Je vais le stream, le cave. Quand il se lève, je suis allé. Ah. C'était évident, fallait que j'aille du putain de revers. Yo, t'as un barré de peine là. Non, c'est un petit, entend taille up, il va automatique. Donc, c'est ce qu'un PD est pas dans le party. Olivier. Ah, il est pas dans le party? Ouais. Ah. Ok, fait que lui, il va automatique. Il joue le taille up automatique, lui. Ouais. On peut le dire en anglais de te le laisser. Oui, là. Le score ou je te le donne? Ah, repasse, je vais te le repasse. Ah non, vas-y. Tu fais le baisser, hein? Mais moi j'ai une passe. T'as vu comment j'allais vite, Barrette? On est en baisse. En échappé avec moi, on fait tout le temps deux passes. Passe-moi là, on va te le redonner. Oh non! Un petit but de BS. C'est le genre de but qui brise à moins d'un goal. Petit but inutile. T'as un dernier step pour moi. Ciao les gars. Yes sir, merci boys man, c'est quand même un bon résultat de 1. Et sur le Carlis. Non. Oh, on joue des games de ligue, mon chum. Tout le monde va se... En étant en game de ligue. Et tabarnak, il était fort, man. Efficace pour étudier la face.